Bonsoir, bonsoir. Tellement de lignes de transport à côte certifiées, tellement de véhicules certifiés. Et dans ce magnifique projet, nous avançons à grands pas vers la fin. Alors, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore rejoint ce magnifique transport à côte à pouvoir le faire aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je vous dis bien évidemment bonjour encore ou bonsoir en fonction de l'endroit d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Et dans ce webinaire, bien évidemment, c'est Donatien Gérard. Alors, une fois de plus, aujourd'hui, je vous parlerai des dernières nouvelles du projet. Tout d'abord, c'est bien évidemment généralement la chose par laquelle nous commençons afin de savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller avec ce magnifique projet, où est-ce que nous en sommes et quel est le parcours qu'il reste à faire. Bien évidemment, après les dernières nouvelles sur le projet, nous parlerons des facteurs négatifs de l'activité de l'homme. Qui conduisent à la destruction de l'environnement. Je vous montrerai, ok, nous verrons les problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport actuels, les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que SkyWorld Community vous offre. Et les avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation donc à ce magnifique projet. Alors, sans toutefois tarder, commençons. Le centre d'essai et de certification est devenu un lieu attirant des futurs ingénieurs. Sky Transport continue de collaborer avec des établissements d'enseignement du monde entier et d'inviter de futurs professionnels de divers domaines scientifiques à se familiariser avec les technologies innovantes du transport et d'infrastructures USKY. Cette fois-ci, le centre d'essai et de certification USKY a organisé une visite guidée pour les étudiants en ingénierie de l'université SRM University AP de l'Inde, avec le soutien de Eureka Education dans le cadre du programme Immersion globale des Émirats arabes unis. Eureka Education est un fournisseur d'enseignement secondaire et supérieur spécialisé fondé à Londres en 2014 par un groupe de boursiers de la Sloan Foundation, de la Grande École London Business School. Cependant, Eureka est le plus grand fournisseur du programme de formation pilote en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient. Le programme Immersion globale comprend des visites aux sièges sociaux des sociétés et des entreprises de fabrication, ainsi que des réunions avec des dirigeants et des représentants du gouvernement pour immerger les jeunes professionnels dans les affaires internationales et leur processus. Les ingénieurs débutants ont commencé la visite de la salle d'exposition où a été représenté le haut de gamme confortable et écologique Yuska Transport U-Flash à grande vitesse. La prochaine étape du voyage dans le centre a été le modèle opérationnel de la ville linéaire U-City intégrée au complexe de transport et d'infrastructure Yuska. La visite a été terminée par la démonstration du fonctionnement du UCAR certifié sur la piste. Les jeunes professionnels ont regardé avec enthousiasme le lancement des dernières voitures sans conducteur. La société USCAR Transport est heureuse de partager son expérience avec des étudiants talentueux et de les inspirer à créer des technologies et des concepts prometteurs qui amélioreront la qualité des gens du monde entier.
Les représentants de UNISC Street Technologies ont visité l'une des principales universités techniques de Biélorussie. Alors, l'UST Inc. poursuit ses travaux dans le cadre d'un accord avec l'Université technique d'État de Brest. Nous vous rappelons d'ailleurs que le rectorat de l'université a déjà visité l'entreprise. Au cours de la première visite, un accord a été signé sur la coopération dans la direction de la recherche et la formation du personnel d'ingénierie. Cette fois, les représentants du UST sont devenus les invités de l'université. Lors de la visite, les employés de l'UST ont participé à la conférence scientifique et pratique internationale orientation prometteuse du développement et de la formation innovante. Lors de cet événement, nos collègues ont présenté deux rapports scientifiques sur les complexes de transport et d'infrastructure de l'UST. Ils seront par la suite donc publiés dans un recueil d'articles scientifiques. En outre, les représentants du UST ont organisé les cours pour les étudiants de l'université. L'intérêt vif des étudiants a été suscité non seulement par la technologie UST en elle-même et ses caractéristiques, mais aussi par la possibilité d'effectuer des projets de diplôme de fin d'année sur de tels sujets, ainsi que de faire un stage à la poursuivre. Et de poursuivre le travail dans l'entreprise. Magnifique. En outre, avec la participation des employés de la société, des réunions ont eu lieu avec la direction de plusieurs organisations de la région de Brest, à la suite desquelles un certain nombre de domaines scientifiques et éducation industrielle, construction et bien d'autres ont été développés par les coopérations futures. UNISC Stream Technologies a signé un accord de coopération avec l'Institut de gestion et d'entrepreneuriat. Une délégation de l'Institut privé de gestion et d'entrepreneuriat a visité UNISC Stream Technologies. Au cours de cette visite, le PDG du UST, Nadezhka Kozareva, et le recteur de CIUP, Nicolas Signac, ont signé un accord de coopération. La délégation comprenait également le premier vice-recteur de l'Institut, le doyen de la faculté de perfectionnement et de formation continue, spécialiste du développement de gestion et de qualité de recherche et développement, et le représentant de la société chinoise Hope Education Group. Les invités sont familiarisés avec le travail du bureau principal et les activités des bureaux d'études. Lors de la réunion avec le directeur général, Madame Kozareva, les parties ont convenu d'une activité commune dans le domaine de l'éducation et du travail scientifique et commercial. Donc voilà un peu pour quelques dernières nouvelles sur le projet. Quel projet? Celui du transport à cordes. Nous parlons de cette technologie innovante au problème, qui est une solution au problème moderne de transport urbain, interurbain, de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Russie, en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donne la possibilité de devenir copropriétaire, bien évidemment, d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Alors, le transport à cordes se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance, permettant d'éviter donc les embouteillages, la pollution, et qui peut être construit sur n'importe quel type de terrain. En 1914, l'usine de confiserie russe, appelée Eniem, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi donc qu'il a réalisé le monde. Dans un avenir proche, en voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Mais dans le ciel, on aperçoit quoi? Le même tramway céleste. Alors, cette situation que vous voyez ici
Vous êtes déjà familière, et pas seulement sur des images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface du lac Té. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. 1,5 million de personnes. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Ils sont obligés d'attendre donc chacun leur tour. Alors, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes et la mort des personnes causées par le manque de sécurité. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie. Okay, et essaie de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter, pas du tout. Et nous avons donc là affaire au problème majeur, troisième position, dans l'univers du transport. Celui de la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité n'est pas une solution idoine au problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Alors, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent clairement évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours donc en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Ces photos que vous voyez ici ne sont un secret pour personne. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pensé à combiner ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble et un moteur électrique intégré dans l'ordre. Ok. Regardez ce transport, le téléphérique et le funiculaire. Ne le confondez pas du tout avec ce transport que nous sommes en train d'étudier, parce que beaucoup de personnes font cette erreur. Non, il ne le faut pas, parce que ces derniers n'ont pas leur propre moteur, ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures téléphériques au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors donc, le transport que nous examinons aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une infrastructure à cordes, constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place de systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper des forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires. Ici, nous avons affaire à une éco-maison et ensemble, j'aimerais que nous lisions cette assertion. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, maintenant, fixons-nous le problème qui consiste ici clairement
à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer l'énorme masse de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer donc une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et alors, seulement à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourds, la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants vus précédemment au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Alors, au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, on va donc poser le câble. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. Forcément, on va tirer le câble et fixer donc ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Alors, en levant les supports qui n'étaient pas nécessaires, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. Voici donc à quoi ressemble cette structure de rail unique en section. Les variantes de structure de rail à côte, la tête du rail plate et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Le rail à côte combine les propriétés d'un câble souple sur une grande portée entre supports et d'une poutre rigide sur une petite portée sous la roue d'un autorail électrique et au-dessus des supports. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet rigide, semi-rigide et flexible. Ici, nous avons la conception interne du châssis avec tous les éléments là, pouvoir des radiateurs, inverseurs, moteurs, dispositifs d'attelage de secours, batterie d'accumulateur et bien d'autres. Alors, il ne faut surtout pas oublier que cette conception a un système anti-déraillement spécial. Regardez ici les dimensions du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre les haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à côte. En passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise durant la semaine dernière dans le centre de recherche et d'innovation technologique du UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à côte est que ces rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante pour le transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote, donc, et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Alors, ici, c'est une photo de moi-même dans ce même centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, okay, devant un unique car tropical. C'est vraiment magnifique. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut donc subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie et informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs, donc, créée spécialement pour
pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, mais aussi la puissance. OK? On peut aussi parler de la consommation d'énergie réduite. C'est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. Donc, la solution la plus importante afin de réduire la consommation, la résistance aérodynamique à l'air est de réduire l'aérodynamisme du véhicule. Parce que lorsque la vitesse du véhicule augmente, sa consommation d'énergie augmente considérablement. Sur le transport de second niveau, le flux d'air au-dessus du sol n'a pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. En règle générale, à une vitesse élevée, le véhicule dépense jusqu'à 90% d'énergie pour surmonter la traînée aérodynamique. Voici l'appareil qui vient d'être présenté là, précédemment en grandeur nature. C'est un modèle à grande vitesse, UniFlash, qui mérite une attention particulière parce que son coefficient de traînée a été réduit à 0,06. Vous imaginez? À titre de comparaison, parmi les voitures qui figurent parmi les leaders de cet indicateur de coefficient de traînée aérodynamique, peut être par exemple 0,17 voitures de course. Cette image montre clairement les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le calcul de l'électricité consommée. Donc, maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne, la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Sur ces différents histogrammes, on peut voir clairement les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Et le transport à cordes et jusqu'à off est donc clairement le plus optimal. Le graphique ci-contre également montre la rentabilité du transport à cordes par rapport aux autres systèmes. Et ici, on peut voir clairement sur la dernière colonne que ce transport est plus qu'à 10 fois moins cher que toutes les autres technologies modernes de transport existantes. Alors, transport à cordes est un transport léger, rapide, économique et écologique. Tout le monde peut investir. Tout le monde. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan d'investissement pratique divisé sur 5 mois a été mis sur pied pour permettre à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de payer directement de diviser leur paiement sur 5 mois et pouvoir le faire ainsi. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans plus de 200 pays dans le monde entier. En participant donc à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? D'abord des dividendes. La mise en œuvre réussite du projet vous donne droit à tous ceux qui sont copropriétaires, qui ont des parts d'action dans le projet actuellement, de pouvoir recevoir des bénéfices des projets de l'entreprise en tant que dividende. Le rachat d'actions. L'entreprise peut décider de racheter les parts des investisseurs comme elle a fait en 2018. Et l'héritage, les actions sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants en héritage. Et la valeur des actions actuelles est bien inférieure à la valeur nominale qui est de 1 dollar. L'entreprise, si elle décide plus tard d'entrer sur le marché boursier, pourrait avoir tiré bénéfice de la hausse de la valeur de vos actions sur ce marché-là. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Alors, ce monsieur a créé une technologie optimale, efficace et sûre. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site unitsky.engineer. Il y a également des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Alors, aujourd'hui, il y a près de 15 modèles de véhicules pour le transport des passagers et de marchandises dans cette technologie. Alors,
Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour le transport à cordes. Il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison de structures par des drones volants, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au sol ni au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Et en ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Alors, la technologie U-Sky a une renommée mondiale aujourd'hui parce que pendant 7 ans, cette technologie a été présentée au plus grand public du monde entier dans le cadre de plus de 20 expositions internationales. Et ici, c'est une autre image qui montre encore notre présence au salon InnoTrans Berlin 2022. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir d'énormes tests d'essai. Ces documents donc confirment que le transport à cordes a passé les tests et peuvent être trouvés sur le site uniski.engineer. Et la technologie à cordes a aujourd'hui plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis, à la Chine, plusieurs certificats et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Uniski Technologies a été créée en 2019, a été créée autant pour moi. Et en 2019, cette société emploie près de 1 000 personnes, 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. Uniski Technologies est inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie également. Et dans sa production, il y a 11 machines complexes fabriquées et conçues pour le transport des passagers et marchandises urbains et interurbains. L'agent des investisseurs a permis donc de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site et viennent voir la réalité de ce magnifique transport. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis. Et ce centre d'innovation de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et aussi de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction. Alors, le transport aux Émirats Arabes Unis sera clairement une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera à la nature sans du tout nous surprendre. Alors, nous pouvons dire en guise de résumé que ce transport est un transport tout d'abord, bien évidemment, aérien, puisqu'il se déplace au-dessus du sol. Rapide, sûr, économique, facile à intégrer et surtout respectueux de l'environnement. Je suis très content de pouvoir être arrivé à la fin de cette présentation et je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour d'autres informations capitales sur ce magnifique projet. D'ici à là, je vous dis, portez-vous bien. Thank you.